de nouvelle journée, nouveau vlog. Nous sommes vendredi, donc là il est déjà midi passé. Donc ce matin on a ramené Christophe. Comment vous dire, je suis cassée, j'avais mal dormi avec la chaleur. Donc après c'est pareil, quand je suis revenue à 6h, j'ai pas redormi avant 7h30. Donc je me suis levée, il était quasiment 11h, j'ai déjeuné, j'ai bu mon café. Là j'étais en train de commencer à monter mon vlog. Là, je vais faire la vaisselle. Comment vous dire que j'ai fait le ménage hier? On dirait pas. Ma maison, c'est un gros bordel. Mais quand je vous dis un gros bordel, c'est un gros bordel. Bon, j'étais fatiguée hier, donc j'ai pas fait la vaisselle, rien. Donc il y a de la vaisselle partout. Je pense que je vais devoir renettoyer les litières. Il y a le sac que je vous ai montré de Cynthia qu'on a récupéré. Donc pareil, à trier, à ranger. Il y en a partout. Je sais pas pourquoi j'ai fait le ménage hier. Il y en a partout. Donc, bref. On va commencer du coup, je vais commencer à faire la vaisselle. Du coup, je vous prends un petit peu avec moi pour discuter. Je vais essayer de bien vous placer. Hop. Je sais pas trop comment vous placer parce que Simelle, elle vient. Elle est encore en short. Elle avait mis une robe de costume. Mais ça la gratte. Oh, j'arrive pas à placer le trépied. Il va tomber, ça me saoule. Caméra qui me gêne. Voilà. Je sais pas si je suis droite en plus. Ouh, ça commence. Du coup aujourd'hui j'ai remis mon jean, mais vous voyez toutes les assiettes des chats. Et en bas j'ai mis un débardeur blanc et un petit chemisier noir. Qu'est-ce qu'il y a toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a bébé? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu ronronnes? T'es en colère? Elle fait à chaque fois que pleurer quand je suis dans la cuisine. Elle croit toujours qu'elle va manger. Elle mange super bien, mais. Un bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oh, tu fais du ronronnage. Oh. Tu ronronnes, bébé. Elle est toute belle, hein? Elle est toute belle. T'es toute belle? Bon, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu faisais dodo? Elle faisait dodo sur la chaise et j'ai sorti les poubelles et du coup elle m'a suivi. Veux faire des câlins? Moi je vais faire ma vaisselle. Hein. Elle est toute mimi. Bon, on va attaquer la vaisselle du coup. Du coup, aujourd'hui, je récupère Christophe à 15h30. Il fait 1h sup. Demain, donc samedi, travail. Mais il s'est arrangé avec un de ses collègues pour venir le chercher déjà le matin. Bon, j'aurais juste allé le récupérer à midi. Donc ce matin, je me doutais quand on a démarré, la voiture a sonné. Je n'ai plus de gasoil. Je m'en doutais. Donc voilà. 40 euros et j'ai fait que 4 jours. Alors que. J'ai mis du gasoil à 2,19 €, c'est abusé. Donc ben, en partant récupérer Christophe, je vais remettre du gasoil. Parce que là, il faut que je récupère cet après-midi. Il faut que je récupère demain midi. Il faut que je ramène Camille à sa soirée demain soir. Il faut que je vais la récupérer à sa soirée. Kenma. Kenma, pas la poubelle. Non, non, non. Pas la poubelle. Et ensuite, ben, il faut que je le ramène lundi, je vais le chercher. Il faut que je le ramène mardi, je vais le chercher. Il faut que je le ramène mercredi, je vais le chercher. Normalement, après, il a sa voiture. J'espère. Donc voilà. Du coup, vous n'allez pas me voir si je fais. Hop. Kenma, la poubelle. Non. Descends. Descends. Elle va toujours à ma poubelle, c'est pas possible. Je vais la sortir après, je garde les litières, je vais sortir la poubelle. Là, Camille, elle est partie prendre sa douche. Après, on va faire à manger. On voit que on avait prévu les repas jusqu'à aujourd'hui. Les placards, ils commencent à se vider. Parce que. Après, c'est chiant, c'est plus pour Mélia et Mathieu. Parce que ils ont plus de nuggets. Mais en ce moment, elle me demande que des coquillettes et j'en ai plus. On arrive à la fin du papier toilette. Donc, pour dire que c'est la dèche. Qu'est-ce que j'ai vu qui me manquait? On n'a plus de mayonnaise du tout.
Donc je sais pas si je vais pas devoir aller faire un petit tour. Bah, hier déjà j'étais à Lidl, j'étais chercher à boire parce qu'il n'y avait plus que de l'eau. Donc Alexis me dit ouais j'ai soif. Je dis bah il n'y a plus que de l'eau. Il me dit bon on peut pas aller chercher à boire. Bah, on va aller à Lidl. Donc du coup j'ai pris du jus d'orange tropical, là, je sais pas quoi là. Ensuite j'ai pris le rouge là, maudit du jus d'orange. Le rouge, mais c'est le fruit rouge là, le cassis, je sais pas quoi, enfin bref. J'ai repris un pack de cola et j'ai repris un pack de thé pêche. Alors bien sûr, dès qu'il y a du thé, ils boivent que le thé en premier. Ils adorent le thé. Du coup, je vais peut-être aller à Leclerc si j'ai le courage, si j'ai le temps, pour aller chercher ben, ce qui nous manque. Si je trouve des... Parce que je voulais faire un petit drive, mais bon, le problème c'est qu'il n'y aura pas de nuggets rien. Donc je pense que je vais peut-être aller au magasin, comme ça je vais prendre des nuggets, je vais reprendre de la mayonnaise, des coquillettes, du papier toilette, parce que bon voilà. Il nous en reste un petit peu, mais ça commence à... Même le café, c'est les derniers papiers que j'entame. Qu'est-ce que je dois reprendre aussi, j'avais dit, je m'en rappelle plus. Ah, Alexis, je ne sais pas si on l'a vu. Je ne sais pas si on t'a vu. Je sais plus. J'avais dit... Ah, dû manger pour mes poissons, surtout. J'espère qu'ils en ont remis en magasin. Parce que comme en magasin, il n'y en a pas tout le temps, c'est chiant. Non, faut que je hein? On est comme ça, on dirait chuchoter. Donc voilà, donc j'irai peut-être à Leclerc pour, ouais, pour chercher ce qui manque. Je sais plus ce qui nous manquait, je l'avais dit. La mayonnaise, il n'y en a plus, j'avais dit. Après, c'était quoi? Les nuggets, les coquillettes, manger poisson, toujours au cran. À boire pour moi. Je sais plus s'il avait dit autre chose, je ne sais plus. Je prends des glaces à l'eau, hein, parce que là, il fait trop chaud, il n'y a pas de glace à l'eau. Les glaces sont venues aussi. Ouais. Il n'y a que les glaces. C'est quoi là, les oasis? Elles sont pas bonnes. Christophe et Camille, elles aiment bien. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Ils aiment bien, mais moi, j'aime pas. Je trouve pas ça bon, en fait. Et là, on a beaucoup de cornets dans le congélateur, mais bon, cornets quand il fait chaud comme ça. Là, il n'y a plus cette nuit, il n'y a plus ce matin. Et franchement, il fait lourd. Je peux pas ouvrir les portes et bien le maillot, les fenêtres parce que bah il y a des chats et là-haut je peux pas trop ouvrir parce qu'il fait que pleuvoir. Ah bah oui bah ça je te l'ai fait voir en magasin qu'il manquait le machin. Donc voilà. Du coup. J'allais dire du coup, faut pas que j'oublie de vous souhaiter un bon week-end, mais ce vlog il va être que samedi en fait. Donc encore une fois, j'ai oublié de le dire dans le vlog d'hier. C'est pas grave. C'est pas grave. Kameko, elle a un surprenant maintenant. Non. Elle travaille. Elle aimerait bien, mais elle peut pas, elle travaille, donc c'est compliqué. Elle travaille, elle fait ses courses, elle fait sa maison, elle va aller à l'école. C'est chiant aussi, hein. Moi déjà je vois que il y a des jours où. À la rentrée tu pourras presque plus faire des vidéos. Hein. Bah si, mais là déjà en ce moment je vois que même que je ramène juste papa, il y a des jours je vlog que le soir parce que j'ai pas le temps, donc je vlog vite fait pour avoir un vlog le lendemain. Non mais c'est ça parce que. Bah justement vous allez être à l'école. J'aurai un petit peu plus le temps peut-être de prendre la caméra. Enfin, malgré que je vais travailler avec Mel. Donc entre. Aller te chercher au collège, te ramener ouais, au collège. Ouais. Faire les cours à Mel. Peut-être des fois je vais devoir récupérer Camille au lycée. Après, bah, il y aura les entraînements de foot le mercredi et le vendredi. Il y aura peut-être des matchs par la suite le samedi. Bah. Bah, parce que le samedi, à tout moment, ils improvisent à tout. Bah, ils ne peuvent pas improviser n'importe quoi, Alexis, à l'école. Je ne sais pas où va. Je fais la vaisselle et après on va manger. Le matin, je me suis allé en bus. Bah, pas le premier jour. Non, le premier jour, tu me ramènes. Tu viens me chercher. Ah ouais. Le premier jour, de toute façon, tu vas y aller qu'au matin. Que le matin ou que l'après-midi. Ah non, mais c'est comme ça au collège. La rentrée, ça sera que. En méthode de 9h à midi.
soit de 9h à midi, soit de 14 à 17, je sais pas. C'est juste pour donner l'emploi du temps et tout. Je connais le collège quand même, à moins qu'ils ont changé, mais bon, Camille, elle a été, moi, tu y as été. Tu vas devoir aller chez. Ah, non. Pourquoi? Ben, avoir au moins. Si en septembre, il n'y a pas de voiture, je me mets une balle. Là-bas, il y en a une. Je pète un câble, donc. Donne-moi un pistolet nerf, toi. Non, mais je rigole. Je vais pas me mettre une balle de nerf non plus. Hein. Non, merci. Bah, je vais te mettre une balle. Ben, c'est la balle. Donc, voilà, du coup. Donc c'est ce que je disais en ce moment, bah, ça va, vous êtes tous gentils quand même dans vos commentaires, mais je suis désolée, je vlogue la plupart du temps que le soir. Après mes vlogs c'est du blabla, mais de toute façon, ça reste des vlogs, donc c'est du blabla. S'il n'y a pas du blabla, c'est pas moi. Bah puis de toute façon, moi c'est que du blabla et je vous raconte vite fait ce qui s'est passé dans ma journée, mais sinon, voilà. Apparemment ça vous plaît quand même, c'est le principal. Pendant les vacances, on va faire une vidéo. Mais bon, c'est vrai que je suis désolée en ce moment, c'est vrai que c'est que le soir et c'est toujours les mêmes histoires, les histoires de la voiture, les histoires de la banque, les histoires... C'est chiant, mais bon, c'est ma vie. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc ce midi, j'avais prévu normalement pomme de terre en boîte avec des œufs ou des croques, monsieur. Mais Alexis, lui, veut des croques. Bon, je vais manger des croques parce que je ne mange pas de pommes de terre en boîte. Camille, je pense qu'elle va manger des croques aussi. Mathieu, il dort encore. Et Mel, bah là, elle était... Elle devait manger un peu de chips, mais bon, elle va quand même manger. Mais je ne sais pas ce qu'elle va manger du coup. Mais mon préféré c'est soit le tubing crib ou soit le short. Le short là du coup j'ai pas eu le temps de le laver. Tu l'avais déjà enfilé. Ouais. Là j'ai tout lavé, je vais regarder après si c'est sec, je vais refaire. Là j'ai refait du linge. J'ai poussé un peu, c'est sec. J'ai fait du linge, là c'est des serviettes, donc je vais mettre au sèche-linge parce que vu le temps aujourd'hui, ça sert à rien. Et après, je vais faire une autre pâté, puis ben, je serai à peu près à jour. Qu'est-ce qui fait le bruit, là? Quelle moi, elle touche à quelque chose, non? Ah, si elle joue dans les plastiques, c'est rien. Mais elle fait des bêtises, Kenma. On voit que c'est un bébé. Hein. Après, voilà, c'est un bébé, hein, c'est normal aussi. Mais elle touche à tout. Elle touche à tout, elle fait tout tomber. Elle veut vraiment aller vers les autres chats, hein, la pauvre. Mais bon, les autres, à chaque fois, ils râlent dessus. Et elle, surtout, elle va beaucoup, beaucoup... Oh, t'as mis une claque. Surtout, elle va beaucoup vers Aya, mais Aya, à chaque fois qu'elle la voit s'approcher, elle râle aussi. Un bébé. Et Amy, elle fait la mobilette à chaque fois, elle râle. Bon, maintenant, elle reste quand même dans la même pièce. Mais bon, Kenmo, elle ne sait pas trop, donc quand elle a fini son assiette, parce qu'elle mange encore plus vite qu'Amy, alors c'est les deux grosses gamelles, et du coup, elle va dans l'assiette à Amy. Bon, une chose... Non, laisse-la, fais pas ça. Une chose à pas faire, parce que Amy, du coup, elle pète un câble. Voilà. Je ne tarde pas. Bon. C'est ça. Christophe, il était en pause à midi. Je lui ai dit, j'en ai marre du bordel. Il m'a dit, bah, t'avais tout nettoyé hier. Je dis, bah, ouais, mais bon, t'as bien vu ce matin. J'ai entre la vaisselle, entre les dons que j'ai récupérés hier, il y a du linge partout, il y a des objets partout, il y a tout qui traîne. C'est pas possible. J'en ai marre. On fait toujours la même chose. Toujours la même chose. Et en plus avec cette chaleur c'est insupportable. Franchement, j'aime bien l'été, hein. J'aime bien le printemps, j'aime bien l'été, mais quand il fait chaud comme ça, c'est pas possible en fait. Je préfère quand même quand il fait bon. Là les grandes vacances, hein? Là tu vas faire beaucoup de choses quand même. Ouais, j'espère. Vous voulez... On verra ce qu'on fait. Je leur ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient faire, parce que nous on part pas en vacances. Donc faire quand même quelques activités. Pendant les vacances, ça serait quand même bien. Bon, Christophe, lui, il est en vacances 3 semaines. Kenma, non. À chaque fois, elle va à la poubelle. Hein. Faire des activités. Christophe, il est en vacances, du coup, 3 semaines au mois d'août. Enfin, du 29 juillet, normalement, jusqu'à fin août. Donc, faire des activités. Alors, Mel, elle m'a demandé d'abord d'aller à la mer. Alors, moi qui déteste la mer. Voilà. Mais bon, bien faire plaisir aux enfants. Et elle veut faire un pique-nique. Ça fait tellement longtemps qu'elle nous demande de faire un pique-nique. Il faut qu'on fasse un pique-nique.
Alexis, lui, il nous a parlé de tennis. Tennis et parc d'attraction. Voilà, tennis, parc d'attraction, donc voilà, on verra. Moi, je leur avais proposé un bowling, après, ben, on verra. De toute façon, mais on vous emmènera avec nous, de toute façon. Pinball. Bah, les trucs là, on va y aller. Non, déjà, ça, c'est dangereux. Et après, il y a des choses que Mel, elle peut pas, c'est chiant. Donc, c'est compliqué quand même de faire des activités. Okay, bah, elle a quand même grandi, là. Elle a quand même déjà 6 ans et demi, mais il y a des choses qu'elle peut pas faire quand même. Je vais aller dans la parc aquatique. En tout cas, la cocotte qu'on vous avait montrée, qu'on avait trouvée à... C'était où, celle-ci? À Courrières. À Stand By Me. On s'en sert tous les jours, quasiment. Pour faire les pâtes, maintenant, on s'en sert. Pour faire les sachets de purée, pour... Elle nous sert tous les jours. Bon, je vais finir ma vaisselle. On va manger nos crocs. Je vais débarrasser tout ce que je peux, je vais refaire mon linge, tout ça. Et ensuite, ben, j'irai mettre du gasoil, j'irai récupérer Christophe, je verrai si je vais à Leclerc. De toute façon, je vous reprends un petit peu tout à l'heure. Hein, pour elle répare ton papoter. Elle joue en fait avec Stella, du coup, vu qu'il y a Stella qui veut jouer avec elle. Tu fais des réparations. Stella, elle se monte toutes ses pattes, elle mord ses pattes, puis elle attrape sa queue. Bon, je vous laisse et je vous re tout à l'heure. Salut! Coucou, donc on vient d'aller faire un drive Leclerc. Camille, tu peux fermer s'il te plaît, parce qu'en fait il y a des gouttes. Donc pour un total de 134,55€. Bah oui, il recommence à pleuvoir. Donc du coup je vous le mets dans le vlog, je vous fais pas de retour de course à part. Donc je vais vous montrer quand même ce qu'on a pris. Donc j'ai pris pour commencer 4 packs d'eau cristalline, donc les bouteilles en 1,5 litre. Donc ça c'est la source, ça va être à l'entrée. En boisson, j'ai repris du cola gin, donc 2 litres. J'ai repris 6 bouteilles. Et j'ai repris le Pepsi original en 1,5 litre. J'en ai pris 12. Ensuite, donc j'ai fait juste pour là ce qui nous manquait pour les prochains jours. J'ai repris pour les minouches les pâtés en sauce. Donc les fois 24, bœuf, agneau, dinde, poulet, petit pois. Voilà. Des chips Lay's barbecue. C'est des 370 grammes. De toute façon, là, je vous mettrai pas le prix comme je le laisse dans le vlog. Ensuite, j'ai pris du papier toilette, donc la marque Repair. 12 rouleaux. Oui, ma chérie. Je vais l'enlever après. J'ai pris des bananes. Pour Mel. Donc des bananes. J'aime bien les bananes. Ensuite j'ai repris un pain de mie sans croûte, donc la marque Jacquet. Ça chou, il va falloir le mettre dans autre chose. Hein. Pourquoi? Bah, il y a un gros trou dedans. Dans le pain de mie, parce que sinon il va sécher. J'ai repris les petits pains au chocolat pour Mel, donc x12. Ensuite. Toujours de la marque Lay's, j'ai pris les chips nature, ça c'est des 150 grammes. Ensuite, j'ai pris beaucoup de cochonneries, mais voilà. Bon, juste ce que je veux. Donc j'ai pris les Monster Nuts goût ketchup, c'est des 85 grammes. J'ai repris pour Mel les Pepis Club, les Vico, comme je vous montre à chaque fois, donc j'en ai pris 4. Voilà. J'ai pris de la marque Repair les pétales salés, donc ça ressemble aux chipsters. J'ai pris 2 paquets de Dixie tomates. J'ai pris des tucs. Et j'ai repris des tuiles goût oignon. Je suis en train de tout mettre là, mais il n'a plus à la place. En céréales, j'ai repris des chocapic au cas où. Donc 750 grammes. Hop. J'ai pris des lions
Alexis m'a demandé des lions, donc c'est pareil, j'ai pris en 750 grammes. Normalement, il y en a encore. Et j'ai pris les trésors, parce qu'ils aiment bien aussi. Donc là, c'est 1 kg. J'ai repris la mayonnaise, parce qu'on n'en avait plus. Donc j'ai pris la marque Amoureux, comme d'habitude. C'est des combien, celui-là? 460 grammes, j'en ai pris 4. Voilà. J'ai repris 2 ketchup Amoureux. Donc ça, c'est des 550 grammes. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris de la marque Repère les coquillettes, parce que ça fait 2 jours que Mel, enfin même plusieurs jours qu'elle me demande des coquillettes. Donc là c'est des 1 kg, j'en ai pris 2. Donc ça j'en aurai. Toujours dans les cochonneries, les rings oignons. Et c'est des 60 grammes. J'ai repris de la farine. La farine fluide sans grumeaux, marque Repère, 1 kg. Voilà. Christophe s'est repris les Pim's à l'orange pour déjeuner. Par contre, il y a un paquet, il est défoncé. Et moi, je me suis repris des M&M's. En ce moment, je me régale avec les M&M's. Il y a 6 paquets. Paquet 6. J'ai chaud, c'est trop chaud. Ensuite, il y a encore 3 paquets. Donc, je vais mettre tout le reste. Alors, on a repris 2 Flamencush. Donc, toujours les mêmes, hein, la marque Repère. J'ai plus de place. On a repris toujours pareil les pizzas Sodebo. Donc, jambon speck, comme je vous montre tout le temps. Dans les retours de course, j'ai pris 2 paquets de cubes de filet de poulet. Donc c'est des 500 grammes, donc j'ai pris 1 kg. Voilà. J'ai repris 1 paquet de jambon 8 tranches. Et j'ai pris 3 paquets d'escalope normande, à la normande. Donc c'est 200 grammes, il y en a 2, j'en ai pris 3 paquets. Voilà, encore 2 sacs. Normalement, il ne reste que les surgelés. On va ranger en premier. Alors, en surgelé, j'ai pris les pommes de terre noisette. Donc la marque Indus, parce qu'il y a que cela en drive. C'est les 1 kg, j'en ai pris 2. Ils ont mis pour la première fois les nuggets Eco Plus, comme ma chaîne adore. Donc c'est des... C'est des combien ça? 500 grammes. Donc du coup j'en ai pris 6. J'ai pris 6 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et doucement. Donc le deuxième paquet de pommes de terre noisette. Je n'ai plus de place. Ensuite, on a pris des frites allumettes. On a bien fait parce que là, ils nous ont retiré du panier les pommes de terre. Et ce soir, on devait manger des frites. Donc, bah, ça sera avec des frites surgelées. Et on a pris des glaces à l'eau, surtout. Donc, 2 paquets de Smicy, Magique, marque Repère. Donc, goût framboise, citron, orange, fraise, ananas. Ceux-là, ils sont bons. Il y en a eu 8 par 8. Donc, 2 paquets. Parce qu'avec la chaleur... Ensuite, Christophe a pris un paquet de Smicy, marque Repère, sorbet, orange, fraise, citron, ananas par 5, un peu plus grand, ça c'est bien aussi. Ensuite, j'ai pris pour Alexis, il m'avait demandé des cornets vanille, donc je lui ai pris un lot de 6. Ah, c'est 6. J'ai pas de place. Et on a pris les pirulots. Happy, ça c'est la marque Nestlé, ils sont trop bonnes ceux-là. Et là il y en a 5. Voilà. Tout lui va tomber. Et Christophe s'est pris du poisson, du dos de merlu sauvage. Sans arrêt. Il y en a 4.
Voilà pour les courses. Maintenant, je vais ranger. Camille, elle, en plus, elle est partie. Il faut que je range tout ça. Du poisson? Non. Ah, bah, t'en veux du poisson? T'avais pas pris, c'est bien ce qui me semblait que t'avais pas pris. Sans arrêt. Je vais le manger, mais j'en ai pas pris. Faut vérifier sur le truc déjà si on a tout, mais. Ah, tu l'avais pas pris? Non. Ils t'ont mis du dos de merlu sans arrêt. Ouais, bon. Donc voilà, toutes les courses à ranger. Donc je vais commencer par les surgelés. Mais pour ranger les surgelés, tadam, il faut ranger le congélateur. Et moi, j'aime pas faire le congélateur. Chou, tu vas ranger le congèle? Sinon, faut que j'appelle Camille. Moi, j'aime pas ranger le congèle. Bon, du coup, je vais ranger les courses et je vous reprends tout à l'heure. Allez, Stella, cours! Vas-y, Stella! Elle lui a rentré dedans. Ah, allez, Stella! Allez, Stella! C'est elle, là, je promets que le ballon. Non! Mais alors, t'arrives pas à lui prendre? T'arrives pas à lui prendre? Avec tes mains? Elle va pas le lâcher. Elle va salir tout en survêt. Elle va salir tout en survêt. Hein. Garde ton survêt. Elle lâche pas. Non, non, non. Il arrive même pas à lui prendre. Et si tu le lâches, ça s'en va avec? Si tu lâches, vas-y. Elle veut jouer avec vous. Elle s'en va avec le ballon. Ah, elle l'a lâché. Coucou, il est 22h40. Je suis en sueur de chez sueur. Du coup, quand je vous ai laissé tout à l'heure, donc j'avais rangé les courses. Ensuite, j'ai donné à manger aux chats, Stella, tout ça. Ensuite, j'ai préparé à manger. J'ai débarrassé la table. On a été jouer un petit peu. Enfin, j'ai été promener Stella. Mon frère est venu à la maison et Dada aussi. Dada est venu à l'heure de souper à peu près et mon frère après, vers 20h je crois. Donc j'ai été promener Stella. On a été jouer un petit peu dans le jardin, donc je vous ai mis un petit peu avec Stella qui pique le ballon. Et ensuite on est rentré, on a fait un petit peu, on a joué à SOS Ouistiti, donc moi, mon frère, Alexis, Méliana. Et ensuite j'ai été pendre mon linge. J'ai je viens de finir toute la vaisselle, je suis mais
ça coule dans mon dos et tout. Donc j'ai fait toute la vaisselle, j'ai pendu mon linge, j'ai rangé le plus gros, voilà. Je suis là, Mel. Voilà. Je suis dans la salle de bain, je suis en vlog. Ah, ah. Je me mets ici parce que comme il y a encore Alexis, mon frère et Méliana dans le salon, je préfère être au calme. J'ai préparé le tableau, donc les repas c'était jusqu'à ce soir, donc c'était frites cassoulet. Donc avec les courses que j'ai fait, je vais noter ce qu'on va manger, voilà. Donc du coup, voilà, je vais le faire avec vous pour terminer ce vlog. Donc demain, nous sommes le combien 25. Hop. Le 25. On va mettre le 26, le 27, 28. On a dit avec Christophe qu'on allait au moins jusqu'à essayer d'aller jusqu'à jeudi, je crois qu'il m'a dit. Ouais, donc jusqu'au 30. Normalement, après, il y aura la paye, on pourra faire des courses. On est comme tout le monde. Hein. Donc voilà, du coup, j'ai 6 jours à noter. Alors, du coup... Faut que je me rappelle ce qu'on avait dit pour les courses parce que on a dit vite fait de tête en fait, on a mis dans le panier et ensuite on a fait le drive. Du coup, demain à midi, que je dis pas de bêtises, demain midi, on avait dit, je crois que c'était, voilà, ça, je le... Ah oui, mais on avait dit pizza flamenco, mais il y a mon frère, il y a mon frère en plus et Dado. Alors attendez, dimanche soir je sais que c'était du pain. Donc pour ceux qui me posent les questions, le pain c'est des baguettes de la boulangerie tout simplement. Et on met ce qu'on veut dessus, du fromage, du jambon, du steak haché, on peut se faire des frites, c'est une tartine quoi, c'est du pain. Bon, mon principe quand c'est du pain, je me casse pas la tête, je me fais un café ou un chocolat chaud, des tartines de beurre et c'est bon, j'ai soupé. Donc dimanche midi, on avait dit que ça allait être filet mignon. Donc filet mignon. Filet mignon avec, on avait dit... Je sais plus si c'était avec... bon, des pommes de terre, hein, je crois. Pommes de terre, et de toute façon, on a encore des petits pois, carottes, des haricots verts, des champignons. Donc filet mignon, pommes de terre et pain. Donc ça, le dimanche, c'est bon. Donc demain midi, je crois qu'on va faire les pommes de terre noisette steak haché. Et demain soir, au pire, on se fera les pizzas flamenco. Comme il n'y aura pas Camille et Dado, c'est pas que ça m'embête, mais sinon il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Parce que comme eux, ils vont être à la soirée. Donc je pense que ça sera pommes de terre noisette demain midi. Je pense que je vais faire ça. Pommes de terre noisette. Donc demain, bon, quand je dis midi, ça sera un peu plus tard parce que je récupère déjà Christophe au boulot à midi. Donc le temps qu'on rentre et que je fais à manger et tout, il sera bien 13h facile. C'est caché. Voilà. Bon, après, moi, j'ai dit à Christophe pour le midi... s'embête pas, je fais des trucs vite fait avec les enfants. Donc, du coup, donc demain et samedi, pommes de terre noisette, steak haché, pizza flamenco, filet mignon pour le dimanche, filet mignon de pommes de terre et pain le soir. Alors, on arrive à lundi. Que je dise pas de bêtises. Lundi, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est chiant, c'est plus pour le midi. Je vais faire purée œufs, je pense, le midi. Ouais. Le soir, on mangera pâte escalope normande. Pâte escalope normande. Mardi midi, je vais noter quoi? Je vais noter quoi?
Déjà, il faut que je retourne à Leclerc du coup parce qu'ils m'ont retiré le sac de pommes de terre et il m'en faut déjà pour dimanche. Et peut-être que je ferai des frites. Non, je me suis pas régalée avec les frites. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que ça va être pommes de terre en boîte, œufs ou croque-monsieur. De toute façon, vu alors que tout le monde se lève, c'est vite fait. Le soir, ça sera semoule. Hop, j'arrive plus à écrire. Semoule poulet. Mercredi. Ah, il me reste 2 jours. Mercredi midi, je vais mettre pâte, jambon. Je sais pas qui c'est qui s'amuse à ouvrir les portes en haut, mais Christophe, il dort. Ils vont le réveiller. Alors, ça sera pâte, jambon. Le soir, ça sera purée, poisson ou saucisse. Je sais plus ce qu'il m'a dit, Christophe. Poisson, saucisse, pardon. Chacun mange avec ce qu'il veut. Poisson, saucisse, œuf, voilà. Le jeudi midi. Il manque jeudi midi, jeudi soir. On avait dit quoi, Christophe? Je sais plus. Le poulet, je l'avais mis avec la semoule. J'ai mis les pizzas. J'ai mis les escalopes. Je vais vous garder encore, je sais pas combien de temps parce que je sais plus. Pommes de terre, noisettes, je les ai mis. Christophe, il m'avait dit quoi? Du coup, je m'en rappelle plus ce qu'on pouvait faire. Je sais plus. Au pire, je pourrais même faire spaghetti boulette parce qu'il me reste encore assez. Donc au pire, je vais faire spaghetti boulette le soir. Je sais pas. Spaghetti, si je fais spaghetti boulette le soir, qu'est-ce qu'on pourrait manger nous le midi? Au pire, je ferai frites saucisses le midi et spaghetti boulette le soir. Ça ira, hein, écoutez. De toute façon, quand je vois que vous achetez pour une semaine et qu'il y en a pour 130 balles, c'est abusé. Frites saucisses le soir et j'ai dit spaghetti boulette parce que normalement j'en ai encore, faut que je vérifie. Voilà, voilou. Donc au pire des cas, on ira jusqu'au jeudi et de toute façon, bon, j'ai noté frites saucisses et spaghetti boulette, mais donc j'ai noté donc samedi, comme je vous ai dit, pommes de terre, noisettes, steak haché, pizza flamencoche. Dimanche, filet mignon, pommes de terre et du pain. Lundi, ça sera purée, œufs et pâte escalope normande. Mardi, ça sera pommes de terre en boîte ou les croque-monsieur et semoule poulet le soir. Mercredi, pâte jambon le midi, purée, poisson, saucisse le soir. Frites saucisse pour le jeudi et spaghetti boulette. Mais de toute façon, on va retourner en cours soit jeudi, soit vendredi. Donc, on pourra refaire la liste des repas à ce moment-là. J'ai chaud, mais j'en peux plus. Là, j'ai éteint mon sèche-linge parce qu'il est dans la salle de bain, du coup, maintenant. On a laissé la fenêtre ouverte, mais c'est pas possible. C'est cette chaleur. Je sais même pas si. Ouais, il sait que j'arrête mon séchage. Ouh, clairement, là, j'ai chaud. Je vais me rafraîchir. Je vais aller me coucher. Même Mel, elle m'a dit on va bientôt monter. Je sais qu'elle va pas dormir. Bon, voilà. Du coup, 6 jours de repas en plus. C'est cool. C'est cool. J'ai mangé une bonne glace à l'eau tout à l'heure. Ça a fait du bien. Parce que frites cassoulet, bon, j'ai quand même mangé, mais. J'avais chaud à faire à manger avec les friteuses, le gaz allumé. Puis j'avais déjà chaud comme, enfin, déjà chaud comme ça. Plus après manger du chaud comme ça, j'ai pas mangé beaucoup. Après j'ai mangé une bonne glace. Et quand on a été dehors, ça nous a rafraîchi. Mais là il fait très très lourd. Très très lourd. Pourtant ça a encore craqué, il y a encore eu des orages, tout ça. Et de la pluie, mais ça rafraîchit pas. Je sais pas combien il fait de degrés, hein, mais. Bon, après, on va pas se plaindre parce qu'il fait chaud, mais là, c'est trop, trop lourd, en fait. On n'est pas bien, on n'arrive pas à dormir. Là, il n'y a rien qu'à faire la vaisselle, ça a coulé dans mon dos. Là, je suis trempée, mais j'ai trempé. Donc là, je vais me rafraîchir un bon coup avant d'aller me coucher parce que je ne vais pas aller me coucher. Voilà, en sueur, ça gratte. Et c'est dégoûtant. Donc, voilà. Donc, je voulais attaquer, en fait, un nouveau puzzle ce soir parce que vu que je ne me lève pas demain matin. Mais j'ai préféré m'avancer. Même mes cheveux me grattent à cause de la sueur. Mais j'ai préféré m'avancer sur le ménage. Au moins,
dans le linge, je suis à jour. Mon panier, là, il est vide complètement. Et dans mon panier de serviettes, tout ça, il ne me reste plus qu'un oreiller à laver. Je suis à jour. Ça va pas durer longtemps. Hein. Demain, j'ai déjà la moitié ou un panier complet. Hein. À la moitié. Hein. Bah, déjà, j'aurai les affaires à Christophe demain à laver. Et voilà. Eux, ils vont remettre des choses. Donc, voilà. Moi, déjà, tous mes hauts, bah, tous les jours, ça va au panier. Mes sous-vêtements, parce que je laisse pas plusieurs jours. Les seules choses que je laisse plusieurs jours, à la rigueur, c'est mes pantalons, à mon pantalon. Ou bien même quand je mets un short, voilà, deux jours d'affilée. Voilà. Mais les hauts, c'est impossible, je transpire trop. Les sous-vêtements, bon, c'est logique qu'on se change, hein, sinon c'est dégueulasse. Clairement. Donc voilà, je sais plus si je voulais vous dire autre chose. Donc là, il est quelle heure? Il est 22h52. Ouais, je vais me rafraîchir un coup, je crois que je vais aller m'installer. Même si je dors pas tout de suite, je pense que je vais m'installer et aller regarder la vidéo de Véro. J'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo, elle dure une heure. Donc si je monte là juste après m'avoir lavé, je vais la regarder. Si je monte un peu plus tard, par contre, je la regarderai que demain. Mes cheveux me grattent avec la sueur, c'est horrible. Et en ce moment, même ma nuque, c'est horrible. En fait, c'est tellement je transpire que ça me gratte et tout, j'attrape des boutons, des plaques, je sais pas. C'est dégoûtant. Regardez qui est là avec moi encore. Je sais pas si vous la voyez. Même elle, elle a trop chaud. Je vais lui mettre un petit peu d'eau, ça va la rafraîchir. Donc voilà, vous voyez, aujourd'hui, j'ai réussi à vous prendre un petit peu plus dans la journée. Bon, je dis pas que c'est plus intéressant, mais moi, je trouve que c'est quand même mieux. Parce qu'il y a eu un peu plus de choses. Je vous ai pris dans la vaisselle, je vous ai fait voir qu'on a été au drive, je vous ai montré les courses. Bah, du coup, un peu Stella dans le jardin. Et là, on continue. Bah, quand j'ai perdu mon linge un petit peu, vraiment un petit peu. Et là, on papote, puis qu'on fait le menu de la semaine ensemble. Donc, c'est cool. Voilà. C'est ce que j'aimerais faire comme vlog un peu tous les jours, mais bon. C'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Donc Christophe m'a dit, bon, demain la dernière, après je suis en week-end. Je dis, bah oui, mais bon. Après, je comprends qu'ils travaillent parce que bah, déjà, ils ont un peu de boulot, de retard, voilà. Parce qu'il y a des gars qui sont déjà en congé, je sais pas quoi. Mais puis après, il me dit, oui, mais bon, au moins, voilà, on pourra en fait, on aura un peu plus d'argent, on va dire. Et du coup, il me dit, on pourra profiter pour les vacances, un peu plus avec les enfants. Je dis, oui, c'est vrai, mais bon. J'ai la santé avant le boulot en fait, hein, parce que il s'esquinte à chaque fois, il a déjà mal aux genoux, il est fatigué, mais bon, que voulez-vous. Ça va déjà, il a demandé aux collègues pour demain matin pour me laisser dormir, alléluia, parce que perso, j'aurais pas pu, bah, j'aurais pu si je l'aurais fait, mais là, deux jours de repos, je pense que ça va me faire du bien, après il me reste trois jours et normalement, je suis libérée, délivrée. Oh là là, je vous jure. C'est fatigant. Et je vais pouvoir peut-être reprendre un rythme un peu normal. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Même pour lui, bon, c'est quand même mieux voilà, d'avoir sa voiture et d'être tranquille. Quoi. Ah, bon, ben, je vais vous laisser sur ce. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, perso, même que c'est moi qui vous le fais, mais je trouve qu'il est plus intéressant, un petit peu plus intéressant aujourd'hui. Malgré que, bon, je vous fais toujours montrer voilà, les dons, les achats, tout ça. Mais moi, ouais, je trouve qu'il est un petit peu mieux aujourd'hui. Bon, je sais pas si je vous ferai ça tous les jours, hein, parce que bon, déjà, je bouge pas forcément tous les jours. Mais bon, peut-être, je vous montrerai peut-être comment elle s'habille Camille demain. Elle sait même pas, mais bon, c'est pas grave. Donc normalement je dois les ramener pour 18h30. Ah, normalement il devait être je crois à la salle pour 18h30, mais là je crois que c'est 19h. Mais moi je la ramène chez sa belle-mère du coup, donc avec Dado, donc chez ses parents. Et je pense que je vais les déposer pour 18h ou 18h30, parce qu'après ils doivent être à la salle à 19h, mais je crois qu'ils y vont à pied à la salle. Et j'ai dit à Camille, hein, il faut qu'elle demande à sa belle-mère et qu'elle me dise quoi. Savoir où elle est la salle, parce que je sais même pas c'est quelle salle non plus. Pour moi pouvoir la récupérer. Bon après je lui ai dit pas trop tard non plus. Bon après je vais la laisser quand même s'amuser, mais j'ai plus de batterie. Pas trop tard non plus quoi, parce qu'après c'est fatigant. Voilà, écoutez les amis, je vais aller ranger mon menu, je vais me laver parce que ça me gratte de partout. Même mes ongles sont dégueulasses alors que je viens de faire ma vaisselle, allez comprendre.
En ce moment, je sais pas pourquoi, mais dès qu'ils poussent un petit peu mes ongles, ils sont toujours cracra. Vous voyez, il y a toujours, voilà, toujours de la crasse, alors que pourtant je viens de faire la vaisselle, je les nettoie. Bon, c'est sûr, je suis pas toujours en train de les brosser avec la brosse, mais je comprends pas, j'ai toujours les ongles crades alors que je sais pas, je comprends pas. Je me lave, je fais la vaisselle, mais il y a toujours des ongles, voilà, un petit peu dégueulasse et ça m'énerve. C'est, oh, j'ai mes cheveux, c'est horrible. Avec la sueur, c'est horrible. J'ai pas de poux, je vous jure. Vous pouvez regarder si vous voulez, hein. J'ai pas de poux. Mais j'ai plein de sueur. Oh là là. Bon allez, c'est parti. Il faut que je continue et je vais me coucher. Bisous à tous. Du coup, je vous souhaite un bon dimanche vu que le vlog c'est demain. Un bon dimanche à tous. Je ne sais pas si vous allez avoir du soleil. Nous, je crois qu'ils ont. Nous, je crois que c'est de la pluie. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont de la pluie. Enfin bref, profitez bien, passez un bon dimanche, reposez-vous bien, prenez soin de vous, de votre famille, de tout le monde. Et je vous fais des gros bisous, je vous adore. Encore 3 abonnés et on arrive aux 400. Allez, on va y arriver. Gros bisous, à demain.